tout, j'espère que ça va. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un cookie comme cela. Bien sûr, vous faites les couleurs que vous voulez. Pour le matériel, vous aurez besoin de votre objet tranchant avec lequel vous coupez la filo. Hein. Voilà. D'un moule cookie, bien sûr. Moi, je l'ai acheté sur la petite épicerie, donc je vous mettrai le lien de la petite épicerie en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir ma commande de la petite épicerie. Puis on aura besoin de deux pains Fimo de votre choix. Moi je prends de la chocolat en soft numéro 75 et de la caramel en soft numéro 7. Donc voilà, on va tout de suite passer avec à la fabrication. Donc tout d'abord, vous prenez un morceau de pain Fimo avec lequel vous allez faire le dessus de votre cookie. Vous faites une boule. Cette boule, vous allez la placer dans votre moule, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et vous allez aplatir. Comme ça. On va le sortir. Et vous faites ça deux fois. Comme ça. Puis, on va prendre la pâte qu'on va mettre au milieu. Hein. Moi, dans mon cas, c'est le chocolat. On peut mettre notre moule à côté. Et donc on va faire une boule. Et on va l'aplatir, mais il ne faut pas que ça soit super grand. Il faut que ça ait environ la taille de votre cookie. Donc il faut que l'épaisseur soit quand même assez grosse. Il ne faut pas faire trop fin, sinon ça ne va pas être beau. Et on va le placer. Attendez, parce que j'ai un cheveu dans mes cookies, voilà. Et donc, nous allons le placer au milieu, en dessous. Comme ça, là. Et on va replacer l'autre partie du cookie derrière. Et donc on va l'aplatir un petit peu sur les côtés pour que ça soit joli. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et voilà, je vous mettrai le lien de mon Snapchat en barre d'infos. Et donc, dites-moi si la musique de fond vous a plu et si je dois le mettre dans mes autres vidéos, comme ça, s'il y a un moment où je parle pas, comme ça, vous entendez quand même quelque chose. Donc, mettez-moi en barre d'infos si ça vous a plu. Et donc, voilà, à bientôt. Bye!